Donc, ce qu'on a ici présentement, c'est un obus en entier. Donc, on a le projectile qui vient séparément avec la fusée. Ici, on a la douille. Si je peux vous expliquer un petit peu comment fonctionne la douille, c'est comme le fonctionnement d'une balle normale. On garde les capuchons pour un principe de sécurité. La raison, c'est qu'ici, on a une amorce. C'est le même principe pour une balle. Si l'amorce est percutée, dans le fond, ça entraîne une chaîne pyrotechnique qui va venir faire allumer toute l'amorce qui se trouve à l'intérieur. Vous la voyez ici au bout, le bout est en or. Puis, par la suite, ça va alimenter tous les sacs de charge qui sont à l'intérieur. C'est ce qui va faire propulser l'ogive, le projectile, où ce qu'on veut l'envoyer. Donc, après le tir, lorsqu'on va ouvrir le bloc culasse, la douille va être encore dans le canon. Donc, c'est ça qu'on va retirer. C'est ça ici qui va partir au complet. Oh, c'est vrai.